Moi, je voudrais d'abord remercier le laboratoire Éclair qui nous a permis ce soir de vous présenter une projection en 4K de grande qualité. Je voudrais remercier les partenaires fidèles qui sont France 2 Cinéma, France Télévisions, la région Île-de-France et pour la première fois la région Auvergne-Rhône-Alpes et bien sûr le CNC. Grâce à eux, on a pu financer ce film très rapidement et être prêt pour le festival. Et je remercie Thierry de nous accueillir une fois de plus. J'ai impatience de voir vos réactions. Et donc on va se glisser dans la salle et écouter parce que c'est une première pour nous. Je voudrais aussi remercier bien sûr Nathalie et Marion Primevert qui sont venus nous voir pour nous parler de ce projet et qui sont respectivement psychiatres et juges et qui sont venus nous voir parce que j'avais déjà rencontré Marion au cours du tournage de 10e chambre et donc je les remercie et c'est un peu grâce à toute une équipe toute une équipe lyonnaise et parisienne et puis surtout bien sûr l'hôpital du Vinatier qui a joué le jeu et qui est un hôpital un hôpital qui a un passé très lourd, puisque vous saviez, pendant la guerre, ça a été une ferme, et que cette ferme a été réquisitionnée à un moment par la commande à Tours. Ils étaient autoproductifs, ils se nourrissaient d'eux-mêmes, et à un moment donné, je crois vers 40-41, la commande à Tours a saisi tous les légumes et tous les fruits et les moutons. Et ce qui a provoqué la mort de très très nombreux patients dans l'hôpital. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on les